bloquée par Murphy. La rondelle est maintenue. Et cependant, en territoire des Hurricanes, elle est interceptée devant le filet. Eric Staal bousculé par Tinordi. Et là, c'est Colberg. Belle passe. Tire. C'est repoussé par Hudobin avec le bouclier sur le tir de Martin Saint-Pierre. Et la rondelle qui donne sur l'écran protecteur. On ne peut pas dire que Jared Tinordi a choisi son adversaire. C'est nul autre que le capitaine. Et c'est ce qu'il doit faire. Depuis le début de ce camp d'entraînement, on veut lui faire vivre des expériences. Quatrième match en autant de sorties pour le Canadien. Jared Tinordi les a tous disputés. Il s'implique au niveau de la robustesse. C'est ce qu'on veut voir. Deux rappels la saison dernière. Après le premier, on lui a dit « Cesse d'être timide. Impose-toi. Tu as une grande présence physique. » C'est ce qu'on veut voir. Et il jette les gants à l'instant même. Eh bien, dis donc, contre Tim Gleason. Ouais, qui est venu se porter à la défense de son capitaine. Gleason, c'est pas un petit, là. Attention, c'est un défenseur qui est proche-proche en colosse. Ah, en colosse. Il fait 6 pieds, mais 220 livres. Et c'est pas son premier combat dans la Ligue nationale de hockey. Non, vous l'avez vu, il sait comment se comporter. Et Tinordi n'a jamais reculé, n'a pas eu froid aux yeux. Ça fera plaisir à de nombreux partisans du Canadien qui espéraient un peu plus de robustesse cette